And now they are coming for your social security money folks. They want it back. So they can give it to their criminals friends from Wall Street. And you know what? They'll get it. They'll get it all soon or later. Cause it's a big fucking club. And you and I ain't in it. You and I are not in this big club. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for anybody else. But I will tell you what they don't want. They don't want a population of citizens well informed. That's against their interest. That's right. If you have selfish, ignorant and arrogant citizens, you're gonna have selfish, ignorant leaders. It's as simple as that. Je cite George Carlin. Nous sommes le lundi 10 août de l'année 2020. Il est 11h23. De toute façon, c'est plus la peine de beaucoup se casser les douilles. C'est très simple à comprendre et as simple as that. On ne peut plus être un travailleur pour un chômeur et un retraité. On est dans un goulot d'étranglement. Je prévois, avant, je dirais fin septembre, il y aura la première banque qui va craquer. Juncker est en train de faire tourner la planche à billets. Etienne Chouard l'explique dans ses vidéos. Ça va donner de l'inflation. L'inflation donne du chômage. Ça ne va plus durer très longtemps. Retirez votre argent des banques. Ça va se passer chez nous comme en Grèce. Vous allez vous retrouver, j'ai filmé devant le Super U, au début du confinement, il y avait une file de 200 à 300 mètres de personnes devant les magasins. Et elles avaient peur de la pénurie. Je vais mettre en bas, en lien de cette vidéo, la vidéo d'Étienne Chouard, la mutinerie. Il explique que on va arriver dans une période Mad Max 2. Les bandes armées vont venir des villes pour se nourrir, parce qu'ils n'auront plus rien à manger. Ça s'appelle l'autonomie en question. Je passe un coucou à Étienne Chouard. Philippe Pascot, lanceur d'alerte. Stéphanie Gibaud, de la Société Générale, auteur du livre La traque des lanceurs d'alerte, que je vous invite à lire. Ce qui se passe dans ce pays est tout bonnement catastrophique. Je vous remercie de m'avoir écouté.